Wednesday night. Hit me! Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 7e édition du Blues Up Orchestra.
Nous ne sommes plus festival, nous sommes un orchestre. Nous avons évolué naturellement vers cette voie puisque depuis de nombreuses années, eh bien, nous retrouvons à peu près les mêmes amis et puis on en invite d'autres et on forme comme ça un orchestre et en 48 heures, mesdames et messieurs, eh oui, on monte ce spectacle. Je vous demande de les applaudir bien fort, je vais vous les présenter. Alors vous avez monsieur Pete France au saxophone qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui est originaire d'Écosse. Francis Torres, deuxième saxophone pour la Corse. Nicolas Arias au piano, un petit peu Nouvelle-Calédonie, un petit peu la France. Marseille, Marseille. Ron Sampson à la batterie. Nouvelle-Zélande qui nous vient aussi, qui est originaire du Canada. Vous avez vu, on est presque en train de parcourir le monde entier. Là-bas derrière, vous avez monsieur Ludo Ribvic Daré aux percussions pour la Nouvelle-Calédonie. À ma gauche, là, notre ami qui est là depuis de nombreuses années avec nous, Gilles Fessard à l'harmonica. Monsieur Carl Loquette de San Francisco. Le Blues Up Orchestra ne pourrait plus avancer sans lui. C'est notre Uncle Carl now. You're the Uncle Carl. Et Michel Benebig à l'orgue. Et je suis Chem. Alors, on a commencé bien entendu avec monsieur James Brown. On ne peut pas rentrer dans le funk sans lui. C'est lui qui a apporté cette espèce de rythme un peu enflammé dans le début des années 60. On va essayer, vous allez voir, de parcourir. Vous comprenez bien, tous les ans, ce n'est pas facile de choisir pour que ça tienne en deux heures. Parce qu'il y a tellement de morceaux. Mais on a essayé comme ça d'aller attraper un petit peu les gens qui sont représentatifs de la période funk. Je vais vous laisser avec Gilles. On va rendre visite à monsieur Wilson Pickett avec ce morceau très célèbre, Mustang Sally. Mustang Sally, I think you better slow your Mustang down. Hey, Mustang Sally, baby, I think you better slow your Mustang down. Guess I have to put your flat feet on the ground. And all you want to do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. All you want to do is ride around Sally. Ride, Sally, ride. I guess I have to put your flat feet on the ground. I bought you a brand new Mustang about 1965. Now you come around signifying, woman, you don't wanna let me ride Mustang Sally. You better slow your Mustang down. You've been running all over the town now. I guess I have to put your flat feet on the ground. Sally, ride, Sally, ride.
Guess I have to put your flat feet on the ground. Come on, Sally. Guess I'll have to put your flat feet on the ground. Chanteur. Bravo. Je vais vous laisser maintenant avec, avec Michel. On va rendre visite, puisque les années 60, c'est le début quand même aussi de l'orgue dans la musique. Et avec un grand monsieur qui était monsieur Jimmy McGriff. Et ce morceau assez connu, même très connu, qui s'intitule The Worm. Thank you.
Dans les années 60, il y a deux chanteurs, Sam and Dave, qui avaient ce morceau, je pense que ça va vous dire quelque chose, qui s'intitule Hold On, I'm Coming. Ah, ça vous dit déjà quelque chose? Nous allons à présent rendre visite à un deuxième grand organiste, et non des moindres, c'est M. Jimmy Smith. Je suppose que vous savez pourquoi nous avons la présence d'autant d'organistes ce soir dans notre répertoire. Voilà, parce que bon, c'est difficile de lutter contre un passionné. Voilà, et puis en plus, bon, nous avons quand même la joie d'avoir M. Carl Lockett qui a joué avec M. Jimmy McGriff et M. Jimmy Smith. Ce morceau s'intitule Eight Counts for Rita. Guys, I want you to count. You must count. You must count for Rita. Put that mask. Put that mask. But I'm
Thank you.
Eight counts for Rita. Magnifique. Magnifique, monsieur Carl, auquel je vous demande de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas pu le présenter tout à l'heure parce qu'il s'en est allé et le revoilà. C'est monsieur Bertrand Senna à la contrebasse. Nous allons à présent rendre hommage à un grand monsieur qui est monsieur Al Green avec un des morceaux phares. Il en a eu de nombreux. Et c'est Take Me to the River. Oh,
feet on the ground. Take me to the river. Take me to the river. Take me to the river. On s'avance tout doucement vers les années 70. On est encore le pied dans les années 60 et il y a ce groupe extraordinaire qui est Chaka Khan et Rufus. Avec ses tenues merveilleuses, les pantalons, j'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu. Moi, j'aurais bien aimé, ceci dit. Hein. Il y en a quelques-uns, je les vois bien en pantalon un peu... Tant pis. J'ai réussi quand même à faire ouvrir la chemise de Nicolas, déjà, deux fois. Autant que j'en profite, hein, je suis la seule femme dans l'histoire. Donc, Chaka Khan et Rufus avec ce morceau qui s'intitule « Tell me something good » pour essayer de sortir la partie... Yeah.
Un des incontournables, et ça fait plaisir à Nicolas, des années 60, c'est monsieur, forcément, c'est monsieur Herbie Hancock. Nicolas Arias, que je venais d'applaudir. Je vais le dire devant tout le monde, tant pis, mais c'est un grand bonheur de t'avoir avec nous. Voilà. The Watermelon Man. Thank you.
Nicolas Arias, Bertrand Senna, Francis Torres, Pete France, Ron Sampson, Ludovic Darry, Carl Lockett, Michel Benebig et Gilles qui nous a rejoints. Alors, on arrive à la fin de notre première partie. Et on a, comme vous avez pu l'entendre, on a glissé doucement vers l'énergie des années 70. Et là, je vais faire un morceau qui me tient tout particulièrement à cœur, qui à l'origine a été composé par Shirley & Company. Parce que souvent, on confond mon nom de scène, Shem, avec ce morceau qui s'intitule Shame. Shame on you if you can't dance too. Ce qui veut dire que... Oui, voilà, tout à fait, tout a été dit. Pas grand-chose à dire de plus. Si vous avez envie de danser, si vous avez envie de vous lever, allez-y. OK. Woo! Boy, I think something about you. I want you to know. I wonder if you feel it too. Just listen to what I say. Shame, shame.
shame, shame, shame on you if you can't dance too. Oh, shame, 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 shame on you if you can't dance too. Oh, shame, 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 shame on you if you can't dance too. My window, bringing back sweet memories. Can't stand the rain against my window, 'cause you ain't here with me. Baby, I can stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. When we were together, everything was so grand. Now that we parted, there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Oh, empty pillow, where his hand used to lay. Now you bring some sweet memories. There's one thing that I just can't stand. Thank you.
the rain against my pillow. Cause you in here with me can't stand the rain. Merci. On va repartir du côté des organistes, mais cette fois-ci, c'est bien un organiste de Nouvelle-Calédonie, c'est Monsieur Michel Benebig. Il va, nous sommes aussi compositeurs et lui en est un. Et il va vous composer un morceau qu'il a enregistré à New York il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des CD d'ailleurs à vendre. Ça s'intitule Nouméa to New York. Et dans ce CD, il y a un morceau qui s'intitule Lucia, qui est la petite jeune fille qui est là. Lucia. Thank you.
Je demande d'accueillir Gilles. Alors, si je vous fais quelque chose comme ça, ça vous dit un truc dans le genre. Vous cherchez là, hein? Ah. Stevie Wonder. Mmh. Mmh. Are you superstitious, Gilles? When superstitious? Are you superstitious? No, not superstitious at all. Okay. You don't have to be superstitious. Writings on the wall, very superstition. The letters about to fall. Oh, so baby, broken looking glass. 7 years of bad life. Good things in your past. When you leave and things I don't understand, and you suffer, superstition give way. Very superstition. Now wash your face and hands. Now rid me of the problem. And do all that you can. Now keep me in a daydream. Now keep me going strong. You don't wanna save me. What's that of a song? When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Nothing more to say. Very superstition. The devil's on the way. When you leave and things I don't understand.
Un morceau qui est à l'origine un standard du jazz, qui est le St. Louis Blues. Et donc c'est une très belle version, c'est une conversation, on va dire, avec l'harmonica, le piano et l'orgue, St. Louis Blues. Thank you.
Alors maintenant, on va rendre visite à un groupe mythique qui est celui des Neville Brothers avec ce morceau que j'affectionne particulièrement qui est The Yellow Moon. Thank you.
Je vais rappeler Gilles qui va nous... Ah non. Je vais vous laisser avec Michel, excusez-moi. Michel va nous interpréter une autre de ses compositions. Puisque dans le festival, c'est important aussi de mettre en place la création. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les ans, d'apporter des compositions. Et Monsieur Benébi, que vous voyez ici-bas, est un grand compositeur de son instrument préféré, qui est l'orgamon. On va rester dans le yellow, mais je m'en applaudis. Il y en a quatre à la maison. C'est sûr que quand on est marié avec un guitariste, c'est quand même mieux. Cette composition, comme je disais, on reste dans le yellow, et ça s'intitule le Yellow Purple.
Il y a quelques jours, Michel était à la radio et un des animateurs lui a dit « Mais vous faites du funk, vous avez pensé à Al Jarreau ?» Et il est rentré à la maison, s'est dit « Mince, on n'a pas pensé à Al Jarreau. » Alors heureusement, puisque le festival se passe en 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, bon ben en début de semaine, j'ai appelé Gilles, je lui ai dit « Dis donc Gilles, tu te souviens de... » Il m'a dit « Oui ». Je lui ai dit « Bon, t'es cap ?» Ben ouais. Thank you.
Alors c'est à présent que vous allez comprendre pourquoi j'ai un chapeau noir. J'aurais dû mettre des chaussettes blanches. Et je ne sais pas faire le moonwalk. On ne pouvait pas décemment parcourir le funk à travers les années sans aller à la rencontre de Monsieur Michael Jackson. Je vais vous demander d'applaudir encore ces merveilleux musiciens qui sont avec moi. Michel, Benny Big, Carl Lockett, Ludovic Daré, Ron Samson, Pete France, Bertrand Senna, et qui vient de sortir Nicolas Arias. Grâce à eux quand même, eh bien il y a juste à faire one, a two, a one, two, three, four, et le morceau est parti. C'est le bonheur de faire venir ces musiciens de la zone et de pouvoir échanger. Il y a encore une soirée demain soir. S'il vous plaît, faites passer le message pour que la salle soit comble. You know, I was wondering, you know, if we could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, woo! Yeah.
S'achève le Blues Up Orchestra. Je vais appeler tous les musiciens. Nicolas, Gilles, Francis. C'était Monsieur Pete France au saxophone. Francis Torres, deuxième saxophone. Bertrand Sénat à la contrebasse. Nicolas Arias au piano. Ron Samson à la batterie. Ludovic Daré, percussion. Gilles Fessard, Carl Lockett, Michel Benebig. Come on, guys. Et je suis Shem. Come on, guys. Vous en voulez encore? Are you ready, guys, for another one? OK. Mais alors, tout le monde debout. Allez, le funk, c'est de la danse. Celebrate and have a good time. It's time to come together.
celebrate now, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate now, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. One more time. Okay, that's right. Louder. Hey! Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. Merci. Pete, Francis, Nicolas, Bertrand, Michel, Carl, Ludovic, Ron, Gilles. Merci d'être venus aussi nombreux. À demain, si vous êtes dans les barrages. Et puis sinon, tendez l'oreille. Tous les ans, le deuxième week-end de juin, on est là. Bonne soirée à tous.